Hey, re tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve sur le donjon de Nahalbok. Suite des aventures, suite de la session. Donc en off, j'ai vendu énormément de choses. Je me suis fait un petit pécule. Voilà, je suis monté à 15 000 pièces d'or. J'ai équipé aussi les 2-3 trucs que j'avais en plus. Je viens de voir quelque chose. J'ai pas monté le niveau du ménestrel. On va le faire tout de suite. J'espère avoir assez de cordes de ressande. Tu m'étonnes. Alors, le ménestrel, on avait dit que de l'adresse. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il était quand même un peu fragilou. L'initiative, on est bon. Je pense qu'on va monter. Alors là, c'est en fait, on monte soit l'intelligence, mais je vois pas vraiment l'intérêt à part avoir un peu plus de précision. Ouais, bof. Donc en fait, là, c'est soit on met 2 points en consti, soit on met 2 points en force. Très clairement, 2 points en constitution, ça me paraît être une bonne solution pour le rendre un petit peu plus viable. Ensuite, en termes de sort. Oh, ça, c'est tellement fort, putain. Ça fait quoi, ça? Ouais, moi j'avais décidé de partir sur du malus. Ouais, très clairement. Prendre ça. Les gammes et les répétitions payent. Plus d'esquive. Ouais. Plus de mouvement. Plus de mouvement, c'est fort. Plus de courage. Ça me donnerait quoi du coup? Ouais, l'initiative. Un de charisme. Ça me donnerait plus de précision. Je vais peut-être prendre plus de mouvement. D'accord. Parce que je suis quand même debuffer avec pas mal de sorts et buffer sur mon équipe. Donc il faut quand même que j'ai suffisamment de mouvement pour aller chercher les alliés comme les ennemis. Sans passer par un sprint pour pouvoir exécuter mon sort. On va faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc trouver le prisonnier nain. Ça a l'air de sentir le cul là-dedans. Bon. Oh putain, encore une statuette là. Oulala. Là, il y a un coffre. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Oh, la hache de Durandil de négociation musclée. Alors, ranger, nain, voleur. Ok. Bon, ranger, nain, voleur. Putain. Inventaire. On va prendre le nain déjà. Vendeur, c'est mon précieux. C'est vrai que j'ai une arme avec moins 5 de précision. Donc forcément... Putain, elle est tellement bien celle-là. Elle a beaucoup de précision. Par rapport à celle-là qui avait 0 et surtout un moins de protection qui me faisait un peu chier. Je vais peut-être la garder pour le... Pour le voleur. Oh. Oh là 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 là. Putain, le... Ah, par contre, les 6 de parade, comment ça me fait chier ça par contre. Mais elle est tellement bien. Elle fait mal, elle est plus précise. Elle a 2 de charisme et 1 de force. Mais m'amputer des 6 de parade, ça me fait vraiment chier. Dommage. Je suis toujours le plus démuni. Très clairement, toi. De la belle qualité. Oui. Qui pourrait se vendre un bon prix. Putain, la précision. Est-ce que la précision est mieux que la vie? Je dirais oui. Oui. Très clairement. Et je crois que le ranger. Je préfère l'adresse que le charisme perso. Après, les 2 de protection, ça ferait du bien. On va lui mettre. Excellent. Je suis parti sur un build plutôt parade, plutôt qu'esquive avec lui, donc bon. Et je crois que c'est tout. Bon. Bah, c'est pas forcément aussi bon que je l'aurais souhaité. D'accord. Ok. Désolé, hein, je prends mon temps. Tiens, il y a un truc à activer, là. Ah! Bah, heureusement qu'il y avait personne dedans. Lol.
Attendez. Oh, le sadique. Voilà. Merde! Là, c'est vous qui avez touché ce levier? Non, c'est... Il a glissé tout seul. Un malencontreux accident. Bon, il tombera pas plus bas, j'imagine. Le pauvre, il a dû se faire très très mal. Ah oui. On ne peut rien faire pour lui? Tu veux essayer le bouche-à-bouche sur un bol de purée? On s'en fait toute une histoire, hein, mais c'est le dernier mètre de la chute qui est vraiment difficile. Enfin, touchez plus à rien surtout, hein. Ça pourrait abîmer le matériel. Ah, c'est juste une interaction comme ça? Oh, allez, c'est pas si mal. Pas si grave. Allez, je le garde. Je le garde. Excellent. Bon, allez, le nain. Oui, pardon. Oh, c'est un nain avec une barbe rose. On dirait, non? Blanche ou rose? Oh, il a l'air stylé. Salut, mon ami nain. Non, mais... On voit plus rien, putain. Il dit qu'il y a un nain dans cette cellule. Si vous venez pour me torturer, je vendrai chèrement ma peau. Rejeton de faux sapulin. Pas de doute, c'est un nain. On est à la recherche d'une enclume magique. Il paraît que vous avez des informations là-dessus. Je ne dirai rien. Jamais. Même sous la torture. Et si on vous libère? C'est différent. Il faut préciser qu'on est de puissants aventuriers et qu'on est en train de nettoyer ce donjon comme d'un rien. Mais de qui il parle? Vous êtes bien déguisés, alors. On dirait des amateurs. À peine bon à curer du lisier à main nue. Bien, ouvrez-moi cette lourde et je vous parlerai de l'enclume. Il dit qu'il trouve ce nain bizarre. Il a un mauvais pressentiment. Oui, bon. De toute façon, il est tout seul et sans armes. Ok. Libérez le fauve. Ah, enfin libre. Misère. Ces cachots sont pires que ceux des Trogilork. Ah merde, cette forme de barbe, ces cheveux, cet accent, c'est... Ben quoi, c'est un nain? Du chaos, je suis un nain du chaos, pas un de ces vermisseaux dégénérés qui vivent près de la surface. Ils sont maudits, ils vénèrent les dieux noirs et ils font des choses horribles. Une chose horrible pour un nain, c'est peut-être juste normal pour nous, non? Vous voyagez avec une elfe en plus? C'est un garde-manger vivant? J'ai un petit creux, je pourrais lui dévoiler le visage? Mais il est horrible! Pour une fois, je suis d'accord. Les visages d'elfes ont sans doute un goût affreux. Bon, c'est pas tout ça, mais on vous a fait sortir. On peut aussi vous remettre au trou. Alors, vous avez entendu parler d'une enclume magique? Et comment? Nous avons ça chez nous, en bas. En bas? Dans la mine des nains du chaos des tréfonds d'Uric. C'est de là que je viens. Mais les accès vers les tréfonds d'Uric ont été perdus pendant les grandes guerres des âges sombres du peuple nain. Personne ne sait plus s'y rendre. Nous avons des accès. Je peux vous y conduire. Mais j'ai besoin de vous pour m'escorter. Il y a un problème. Nous sommes piégés dans le donjon. Les sceaux magiques de manque de bol bloquent les portes. J'en doute. Il n'y avait aucune diablerie sur les passages empruntés quand j'ai été amené ici. Nos portes sont trop secrètes. Essayons, nous verrons bien. C'est un peu notre seule piste. Direction les profondeurs. Parfait, passez devant. Et s'il nous faussait compagnie? Pas bête. L'ogre va vous trimballer. Au moindre geste suspect... Quick! Que la grosse baffe! Quick! Grosse baffe dans ta bouche! Je parle l'ogre couramment, évident. Alors, on a un nain du chaos dans la besace, mais c'est génial! Donc on va essayer de trouver les tréfonds. C'est honteux de me traiter de la sorte, dans ce sac miteux! Je suis Vrastok, prince héritier de la grande mine du chaos et grand pourfendeur du troll géant bord du Berserker et dans le sabre! Que la grosse baffe! C'est la Nabos! L'ogre dit qu'il pourrait vous arracher les jambes. Vous n'en avez pas besoin. Non, mais c'est un malentendu. Je ne vends que de la qualité. Oh, dommage. J'aurais bien voulu... Comment on fait pour le sortir de là? Tant pis. Bien fait pour sa gueule. Alors. Oui, mais c'est où qu'il faut que j'aille, du coup? Ouais. Et donc? Ouais. Ok. Survivre à la bibliothèque pour arriver chez les bourreaux. À la cave. Pire en pire. Oh, pourquoi pas? Ça nous fait une sacrée descente.
Tiens, cette photo, j'adore. Je suis vraiment fan du jeu, y'a pas de soucis. Oh là, putain. Bon. Let's go. Ah bah c'est là où il y avait les araignées à la con. Ouais, c'est ça. Ok. À l'aventure, compagnon. La 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 la. Alors. Bon. Tu veux toujours pas me parler, toi? Ok. Du coup, c'est... D'accord. Donc ça doit être là. Ah, ok. Bon. Nous y voici. C'est la porte vers les tréfonds d'Uric. Je vais l'ouvrir et nous pourrons accéder à une partie secrète des catacombes du donjon. Pas de blague. Ou on vous transforme en goutti pour ogre mélomane. Soyez sans crainte. Je n'ai qu'une parole. C'est pour ça qu'il m'arrive de la reprendre, pour pouvoir la redonner. Allez, vas-y. Oh, cette démarche. Ah oui, c'est... subtil. Putain. C'est subtil, effectivement. Eh hey, mais il se barre. Qui c'est qui a applaudi comme un con? Bon, vas-y. Il s'est barré, l'enfoiré. Rattrapez-le. Ouh, ça sent le piège, ça. S'il te plaît. Non? Pas de piège, là? Ouais, apparemment, non. J'aime bien me promener avec mes amis. Moi, je suis pas ton ami. Et j'aime pas me promener. Ok. Ça pue là, non? Les tréfonds de. Les tréfonds d'Uric, mes couilles. De l'apocalypse. Chapitre 7ème. Les tréfonds d'Uric. Les portes secrètes des tréfonds d'Uric. Ça avance bien. S'ouvrent sur une mystérieuse et interminable descente dans les profondeurs de la terre de Fang. C'est long, ces escaliers! Ça ruine les genoux. Surtout qu'il faudra tout remonter après. Ta merde, oui, c'est sûr. Oviette. Dans ces souterrains mystérieux, loin sous le donjon de Naëlbeck, résident les terribles nains du chaos, dont le peuple se tourne à voici des siècles vers de sombres puissances démoniaques. Ah, c'est bon d'être chez soi. Les draps. Ah, on respire mieux là-dessous. J'ai peur. Nous ferions bien de ne pas traîner ici. Un instant, on vous a ramené dans votre trou. On peut voir l'enclume magique? Il dit qu'il a un mauvais pressentiment. Pas si vite, mes gaillards. Eh, hey, mais d'où ils sortent ceux-là? Encore d'autres nains du chaos. J'allais le dire. Est-il présomptueux demander qui vous êtes? Je suis Narzatok le Velu, roi des tréfonds d'Uric, protecteur de l'enclume et commandeur des Templiers de la très longue barbe. Tu ne mérites plus d'être roi, usurpateur! Silence, sale renégat! Bien. Je vois que vous nous avez amené le traître. Vous allez nous le livrer contre une récompense. Jamais! Mes compagnons vont vous éviscérer! Toi et tes sbires galeux! Oula, on va se calmer, là! Soyons rusés. Ils sont nombreux et armés jusqu'aux barbes. Ce sont des nains du chaos. Ils sont méchants et menteurs. Bah, comme tous les nains, non? Oufias! Fils de ta voix! Alors... Faut-il que nous séparions le prisonnier de vos cadavres encore chauds? Non, non, on va vous livrer le prisonnier! Quoi? Sale traître! C'est de la ruse. On viendra vous chercher après. Bon, et comme récompense? Comme récompense, nous vous épargnions pour avoir pénétré sans invitation dans la sublime mine des tréfonds d'Uric. C'est bien aussi, oui. Garde! Emmenez ce scélérat en prison! J'espère que votre plan fonctionnera.
Maudit soyez-vous. Non. Laissez-moi. Non. Attendez, nous cherchons une enclume. Magique. Une enclume magique. Nous vénérons la grosse enclume. L'incarnation de notre dieu primordial de la forge du chaos. Oui, ça doit être quelque chose comme ça qu'il nous faut. On peut la voir? Seuls les nains du chaos sont autorisés à se tenir en sa présence. Nous sommes prêts à faire beaucoup de choses en échange de quelques instants devant une telle divinité. Intéressant. J'aime les mercenaires sans scrupules. Passez à la salle du trône et nous discuterons. D'ici là, je vais envoyer ce traître moisir dans un cachot en attendant sa sentence. Putain, là on a eu le droit à du Bob, à du Benzaï, putain. Ils sont vraiment trop forts. Vraiment. Super boulot. Super boulot. Bon. Le nain. Ce n'était pas très impressionnant comme négociation. Ouillard. C'est la seule enclume magique qui puisse nous servir. Je n'allais tout de même pas les menacer, si. C'est pas faux. Et on va aller chercher Brastok. On verra. Bon, déjà, avant d'aller chercher quoi que ce soit, on va passer les levels, hein. Parce que, à mon avis, ça va être tant d'axes. Je donne rien à personne. Compétences. Le nain. Eh ben, le nain, mon petit gars, tu vas prendre un de force. Et après, on va bourrer la constitution pour que t'aies le plus de vie possible. Qu'est-ce que j'aimerais te faire monter aussi? Ça s'est avéré plutôt sympa. Du coup, est-ce que ça pourrait étourdir? Ou il y a ça au pire? Ça peut être cool, pourquoi pas. Tenez-le, c'est trop... trop aléatoire, je pense. La tornade de jambes fer. Ou alors je peux pousser violemment et faire encore plus de dégâts, mais bon. 3 tours de recharge, là c'est 4. Putain. Dégagez les Nazbrok, je suis trop puissant. On va faire ça. Et je pense que le nain, je vais le reroll aussi, je sais pas, je verrai. Oui, plus 5 de parade, ça me paraît bien. Putain, le nain gagne 10 de parade et ne peut pas être renversé tant qu'il est en posture défensive. C'est fort ça. Mais il faut que je sois en posture défensive. Comment je savate les poneys? Après, il y a ça, hein, que je pourrais aussi... Mais ça, faut le prendre dès le début. C'est vraiment un choix que tu fais dès le début, ça, je pense. Ouais. Ok, donc ça, c'est bon. Tac. L'ogre. Bon, bah, l'ogre, j'aimerais qu'il tape fort, en vrai. Améliorer son adresse à 16, ça pourrait être... On va faire ça. Une petite attaque à distance, dis donc. Secousse des bourrins, ça peut être cool. C'est une... Ou alors détecter les ennemis qui sont en furtive. Ah, je sais pas. Ça peut être fort, ça. Ça fait quoi après? Ça renverse? Ou ça fait une zone plus étendue? Oh. Ouais, non, ça, c'est pas la peine. Je sais pas, ça peut être pas mal, ça. Allez. 4 de protection. Effectivement, ça peut être cool. 1 de mouvement. Ah. Ah, ouais.
pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, ça c'est pas incroyable, ça non. De la protection ou du mouvement. Allez. Un peu de protection pour éviter de se faire. Voilà. Et toi, mon gaillard, j'aimerais que tu tapes un peu plus fort quand même. Et plus d'adresse. Plus d'adresse parce que ça joue sur la parade. Ouais. Un petit coup de bouclier, non. Ah putain, c'est tellement fort ça. Plus de précision en plus. Ouais, ça c'est un vrai leader avec de vraies compétences. Plus de force, plus d'adresse. Je pense qu'on va partir sur plus d'adresse. Désolé, mais... C'est vachement plus utile que le rempaillage. Je vais partir sur plus d'adresse. J'ai suffisamment de gros billes. Faut que je le rende vraiment éponge, quoi. Enfin, savonnette. Savonnette et éponge, d'ailleurs, pour la parade. Ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. Nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Ah bonjour. Oh, ça a l'air d'être labyrinthique, non? Ouais. Partie de la guerre. Revenez plus tard. Ok. Oula, 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 oula. Ça a l'air d'être ultra labyrinthique. Ok, on peut pas l'ouvrir, ça. D'accord, pas l'ouvrir. Ça non plus. Oh, il y a des salles de combat. Ça présage rien de bon. Ça devient compliqué cette aventure. Surtout ne pas montrer que je suis à l'ouest. Oh putain, j'avoue. D'accord, d'accord. Pas grand chose à looter hein, pour l'instant. Grosse salle de combat ici. Bon. On va aller à la salle du trône. Oula, oula, oula. Il y a des salles de combat partout. C'est pas évident d'être le chef d'une bande de baltringues. Tiens, je peux ouvrir ça. Bonjour. Il y a les dortoirs, visiblement. Putain, c'est cosy, hein. C'est super, super beau. Encore tellement de choses. D'accord. Bon, on ramasse tout. Ok. Truc là, non? Ouais. Ah, ça s'ouvre. Ça doit être les chiottes, ça, non? Visiblement, non. C'est la salle d'armes. Du coup, il n'y a pas un truc à looter, là, non? Non, ok. Si! Attention! La curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Oh là là. Fais ça. Mon cœur est un livre ouvert. Oh la vache. Hourrah ! Que voici un bel objet. Équipe-moi ça. Parfait. Petit équipement légendaire. Ah merde. Oh, j'ai déclenché la quête. Bonjour.
Oh, il est stylé. Votre malveillante splendeur, il nous faut des renforts. Nous ne tiendrons pas longtemps. Les portes sont encore solides et les renforts sont en route. Le contrat est signé. Les golems seront là bientôt. Tout de même, lumineux éventreur. Ces golems sont fabriqués par des gobelins. Le mercenaire qui les emploie n'est pas un gobelin. Donne-moi plutôt des nouvelles de notre armée, au lieu de geindre comme une pucelle. Ils sont toujours au loin dans les tunnels de l'ouest, radieux et trippeurs. Ils sont sans doute... Tiens, qui sont ces gens? Ah, tiens, c'est très qui bien. Approchez. Ils font partie des renforts, justement. Merci. Bonjour, votre... Majesté. On dit majesté à un roi. C'est sûr qu'on ne va pas dire votre grandeur. Quoi? Mais bouclez-la, les baltringues. Rien, rien. Et ça nous commence. Sommes ravis d'être là. Enfin, la plupart d'entre nous. Par les poils de la barbe du père des nains, vous tombez à pic. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour nous. Ah, parfait, d'accord. Faut pas dire oui à un nain du chaos sans avoir demandé précisément ce qu'il veut. Oui, bon, on a dit qu'on cherchait à les amadouer. Et sinon, vous nous engagez pour quoi? Peut-être qu'il veut des conseils en décoration pour sa maison. Je crois qu'il en a pas besoin. Votre Majesté, c'est horrible! Les portes! Les portes! Eh bien quoi, les portes? Qu'est-ce qu'elles ont, les portes? Elles sont ouvertes! C'est inexplicable! Les Trogiloc, ils vont nous massacrer! Plus rien ne les arrêtera! Ils ont étripé nos arbalétriers! Merde. Vous, je vous engage, peu importe vos tarifs, vous devez aller immédiatement arrêter ces monstres! Baston! Des Trogiloc, vous dites? Ouais, des orques albinos des profondeurs. Ils vivent dans des tunnels sans lumière et mangent les moisissures qui poussent sur les cadavres de leurs ennemis. Merde, c'est encore pire que les orques! Ne traînez pas! Filez aux portes à l'ouest! Elles doivent être refermées au plus vite! Au sujet de l'enclume! Plus tard, Je dois aller rassembler ma garde prétorienne. Ah! D'accord. Pourquoi est-ce qu'on défend les nains du chaos? Bon, au revoir. Le mec, il en a rien à foutre, quoi. Moi, je loot. Je supervise l'ouverture. Oh là 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 là, mais... Oh. Ça y est, là, on passe sur les équipements... Les équipements qui en valent le coup, là. Ok, donc... Ranger et voleur. Putain, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Ah non, pas mes poches. 3 de protection et 2 d'adresse. Alors, 2 d'adresse, normalement, c'est mieux que 5 de précision. Parce que 1 d'adresse... pardon. 1 d'adresse, c'est 2 points d'esquive. Si je comprends bien. Donc ça fait 1 d'adresse 2.4. Ah non, c'est moins. Il y a moins d'esquive. Mais il y a plus de protection. Ah dommage. En plus, il y a un coup critique. Ah, du coup, je vais peut-être pas lui mettre. Zut, dans, c'est le foutoir là-dedans. Ouais, donc ça, il n'y a pas besoin de discuter. Au moins, c'est avec mieux. Ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Ah ouais, putain. Excellent. Excellent. J'aime beaucoup finalement ici, il y a pas mal de choses sympas. Je vais ouvrir ça. Ouais, je peux pas forcément, je vais ouvrir ça du coup. Un petit coffre encore là pour me rincer. Non? Il y a ça là. Ah! Ok, il y a encore des choses à venir vérifier, à venir... ouais. Bon! Je vais sauvegarder juste pour la forme et puis on va aller mettre des claques dans la bouche aux orques albinos. La vie en forêt, c'est mieux. Bravo. Encore une négociation bien menée. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Se fout de notre gueule. J'ai pas mis tous mes points en diplomatie avec les races souterraines. L'appel du devoir retentit. Le tocsin sonne hélas. Les cloches appellent le sang et le boussé vient présenter sa funeste note. Il faut poutrer les Trogiloc. Allez! Allez! Bon. Putain, c'est à l'autre bout de la map, hein, bien sûr. Ça, il veut pas. Vite! Ça, ça voulait pas s'ouvrir. C'est là, du coup? Oh, ils ont l'air tellement nombreux, au secours. Non! Ils ont ouvert les portes. Il est trop tard. Vous entendez?
Il dit qu'il est trop tard. Le plus simple est de rebrousser chemin. Vite! Il n'est jamais trop tard contre les peaux vertes. Je croyais qu'ils étaient albinos. C'est pas vert, c'est blanc. Les orques, c'est comme les poireaux. Dehors, c'est vert. Sous la terre, c'est blanc. Excellent. Il dit que c'est bon. La soupe aux poireaux avec des orques dedans. C'est pas le moment de parler potage. À l'assaut! Ouais! Oh, ils sont nombreux. Oh, ils sont beaux, par contre. Oh, ils ont l'air tellement beaux. Non, mais attends, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Condition de victoire, vaincre tous les ennemis. Activer le levier au bout du pont pour fermer la grille et stopper à mes couilles. Sont sensibles à la lumière. D'accord. Donc il faut allumer les torches. C'est ça les torches, je pense. Oh, ils ont pas énormément de vie, donc ça pourrait aller. Quoi? Bof. Ouais. Oh. Ah. Ça va encore être... Bon, c'est linéaire. Donc il faut aller fermer la porte. Eh ben, c'est parti. On va mettre notre mur devant. Et toi, Billy, tu vas venir là. Ah, c'est un peu agressif comme... Putain, là, c'est un truc qui va faire de l'explosion ou poison ou je sais pas quoi. Ok. Tuez ! Tuez ! Putain, j'espère que j'ai sauvegardé, je me rappelle plus, lol. Plus de mouvement et de précision. Faites gaffe, ils sont sournois. Ok. Plus de précision, parade et esquive. Se battre dans les mines des nains du chaos. Quand je vais raconter ça chez moi... Ça me semble pas trop mal. À moi! Ouais, vas-y, viens. Où est-ce que tu vas, putain? Ouais, ça se setup aussi. Ouais, c'est ça, rapproche-toi. Oh, l'enfoiré d'archer! Même pas en rêve! GG. À moi! Faudrait qu'il se stack. Ouais. Putain d'archer, ouais. Ok. Je vais peut-être avancer tranquillou. Pour l'instant. Pas trop trop vite. Pas trop trop vite. On va faire ça. Boum. Déjà dans un premier temps. Ouais, je suis pas assez prêt. Tant pis, je vais m'exposer un peu, ça me fait un peu chier. Salut. Salut. Toga, voilà. Dans ta face. Ouais, ils ont beaucoup de résistance, hein, putain. Ok. Oh, bah dis donc. Ah, il vient me chercher la magicienne. J'aurais pas dû la mettre comme ça. Raté. Ah bon. Oh. Je peux le pousser. Il résiste, hein, évidemment. C'était pas mal. J'aurais préféré qu'il ne résiste pas. Raté. C'est comme les pour l'instant, j'ai. En plus moisi.
J'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance là, hein. J'ai pas un bon tir là en vrai. Oh, c'est cool la zone. Oh, cette zone terrible, terrible. Et en plus, j'ai 100% de chance que ça touche. Rien de tel qu'une bonne bataille en sous-sol. Putain, c'est tellement stylé. Ouais. Là, ça déjà, ça peut me sauver les miches. Je vais faire la contournante. Je vais éviter de me rapprocher de ça. Faire ça. Je dois rester concentré. Ouais, reste concentré. Ok, ils vont se rapprocher, mais ouais, ils vont passer, je vois. Ok. Parfait, nickel. Je vais pas trop m'exposer. Serrez les rangs! Les pauvres, ils ont l'air tout malades. Tu crois? Ils ont trop de résistance physique pour que j'aille leur mettre un coup de mandoline. Vous connaissez la blague de l'orque bourré? Ok, ça va se ravancer tranquillement. Oh merde, ça c'est chiant. Ah, il sprint pas, putain. D'accord, il tape sur lui. Non, d'accord, j'ai compris. Aïe, 43, ça fait mal quand même. Allez, vas-y, recule, t'as raison. Du coup. Oh, si ça passe, ça. Oh là là, 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 monde de merde. Qu'est-ce que c'est violent, il est violent, lui. Oh là là. Je vais le finir tranquille, normalement ça devrait passer. Tiens, petit coup de bâton dans ta gueule. Du coup, je peux pas le... Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Ok, tu sprintes, bonne idée. J'aime pas me battre sous terre. Oh là là. Easy. Easy. Moins de courage et de précision. Ils ont combien en résistance magique? Ah, ils ont pas beaucoup. Ou alors je tape, hein. Ouais, je vais taper plutôt, je suis con. Voilà. Oh là là, ça y est, mon nain fait enfin des dégâts, quoi. Enfin! Ça c'est chiant mais pas impro. Aïe! C'est chiant mais ça va. Ah, enfoiré. À mort les peaux vertes! Ouais, j'ai pas trop le choix, on va faire ça. Un peu en retrait. Un peu en retrait ou au plus loin possible? Allez, vas-y, c'est parti. Lancez le nain.
Voilà, ça me permet d'avancer. Et genre de me placer peut-être pas dans le piège. Genre... Là, il y a un piège, j'ai peur que ça... Ah mais attends, si je marche dessus, ça allume la flamme, c'est ça? Vas-y. On va voir. Ouais, c'est ça, putain. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Toi, tu vas prendre pour les autres. Ah, putain, ils ont de la résistance. Hein. Ils ont foiré. Je vais le finir, lui. Putain, t'es sérieuse. Est-ce que tu es sérieuse? Ok, donc eux, ils attendent. Ah putain, il y a les renforts qui vont arriver. Je vais peut-être pas assez vite. On dirait qu'ils sortent d'une fosse à purin. Je suis là. Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. Combien? Ouais, vas-y. Sert à quelque chose. Hourra! Quel beau gadin! Quel beau gadin! Ok. Il va venir me casser les couilles. J'ai dû perdre de la protection. Bon, lui, il est décédé. Oh, casse-couille. Bon. Mais j'ai envie de te dire oui. Ma cagoule! Oh, c'est tellement cheaté. Salut! Comment ça va? Bon, je vais me mettre comme ça. Toi, du schmeul. Peut-être... Ouais non, ça c'est un truc de zone. Je vais te brûler le cul, toi. Oh, l'échec critique. C'est bien la peine de se donner des airs de sorcière. Putain, et je le raise. L'arnaque. Ah, il va taper sur la magicienne, ça c'est chiant. Oh, l'esquive. Oh. Parfait, donc toi tu me les casses. Dommage. Dommage que je puisse pas avoir accès à plus. Mais bon, faut que je casse sa vigilance. Voilà, ça c'est bon. Du coup, je vais y avancer dans la gueule à lui. Il pousse moi, oui. Ça m'arrange, dommage, c'est raté. J'aurais pu me décaler pour aller là. De ta taille. Ah bien, parfait, reste là. Parfait, surtout reste là. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je fais? J'essaye d'avancer. Bon, je vais venir en soutien, mais bon. J'aurais peut-être pas dû me tourner. Pas grave. Coucou. Coucou.
Pas certain que ça fasse grand chose, mais on verra bien. Lui, il va me casser les couilles. Dans le dos en plus. Raté. Ça va devenir de plus en plus dur. Et merde. Putain, les renforts. Toi, j'aimerais que tu meurs. Putain, quand même. Il manque rien, quoi. Que voici un étrange nectar à l'aspect peu ragoûtant. Oh, l'enfoiré. Ouais, je me stack trop, putain. Petite parade. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Il a 300 de vie, quand même. Il a 300 de vie quand même. Sa poutre. Voilà, tiens déjà toi du schmeul. Ok, hors de portée. J'ai pas beaucoup de mouvement, hein, putain. Je suis un peu handicapé du coup sur les maps comme ça qui sont vraiment... Pourquoi j'essaye de faire ça? Ça sert à rien. J'aime pas les orques. C'est encore plus laid que les nains. Ok. Toi, tu me saoules. Triste fils d'un bouc incestueux. Triste fils de bouc incestueux. Raté. Un bon orque est un orque mort. Du coup. Ah, insuffisant. Ah. Tire-li-pimpon. Tac. Aïe. Mais non. Est-ce que je le soigne? Est-ce que je le soigne, lui? Peut-être le soigner quand même, là. Hein. Je brûle! À moi, ma compagnie! Voilà. Je préfère. Ils sont nombreux quand même, hein. On avance doucement mais sûrement. Ah, ils font chier les archers. Je déteste les archers. Voilà pourquoi je les déteste. Aïe. 9 seulement. Oh, dommage. L'opportunité qui est loupée. Ah, le bouton, il est là. Je me demandais où il était. Donc, il y en a un là, un là. D'accord. Ok, ça rentre en jeu. J'espère que c'est tout après, hein, parce que... Aïe, je crame. Eh bien, tant pis. Je peux peut-être soigner des jeux... quelqu'un qui crame. Autre que moi. Il n'y a que moi qui crame, en fait.
Ah merde. Quel enfoiré. Bon. Serrez les rangs. Je vais avancer quand même un peu. Ah, il me laissera pas approcher, enfoiré. Ouais, je vais avancer au plus près. Je brûle. Je vais m'approcher pour souffler sur les braises. Oh putain. Oh, je les adore. Non, pour l'instant, je peux pas bouger à cause de l'autre. On va faire ça. Ah, il est trop loin. Mes cheveux! Oh, mes beaux cheveux! Faisons ça, Toga, du coup. Voilà. Ok, 1 sur 3, c'est pas si mal. On va rester là. Raté. Sont relous hein, quand même hein. Ok, est-ce que je peux t'en coller une petite vite fait? Ah là là, j'ai pas trop le choix, je vais devoir faire ça. Prends ça. Spooch, ça fonctionne pas mal. Ah, je suis pas assez. Des orcs, du coup, par Chrome, on va leur latter la gueule. Nickel. Nickel. Oh merde, j'avais pas vu, quel con. Oh le boulet, je l'avais complètement zappé lui. C'était tellement appétissant de faire ça. Voilà. Désolé, j'avais complètement zappé qu'il était là, lui. Tiens. La mort frappe sans bruit. C'est vrai. La mort frappe sans bruit. Putain, j'avais zappé que... Ouais. Ouais. Faut... Ah, la petite parade. Dommage. Ah, ils vont descendre assez rapidement quand même. Hein. Même pas mal. Faut que je m'en débarrasse très très vite. Il fait pas tant de dégâts que ça. Oh l'opportunité. Putain, tout ça pour aller chercher eux, putain. Oh. Ok. Pour l'instant, on essaye de tanker. On va s'occuper de lui tranquille. Ça, j'ai jamais essayé ça. Je peux aussi la soigner elle. Pour l'instant, ça va. J'essaie ça, ici, tiens. Crevure. Oh la vache. Eh ben, pas mal. Sentons la victoire de notre 90. Qui a dit que le ménestrel était pas si fort que ça? Hein? Par contre, je vais le bouger un peu. Pas moins loin. Enfin, moins proche du combat. Du coup. Rack. Toi, mon jeune ami. Ah, la parade. Prends ça, mauviette! Ok, ça parade dur. Là, ce que je vais faire, tranquillement mais sûrement, c'est ça.
la fraîche Yalmak. Voilà, à la fraîche, à la fraîche. Oh oui, vas-y, viens. Ok, parfait. Oh là là, l'opportunité. Tellement bien joué, ça. Tellement bien joué, du coup, hop. Petite parade. Hein ? Ça serait tellement cheaté, ça aussi. Allez, on va pas se, hein. Ah oh. Il est immobilisé. Ok. Je dois rester concentré. Petite parade. Putain, ça se passe bien. Aïe, les ça peut rapidement, rapidement tourner au vinaigre, mais là, ça se passe tellement bien. Des boîtes de poney. D'accord. Oh, l'enfoiré. Ouf. Ah ouais, putain, ils vont revenir comme ça à l'infini, putain. Faut quand même que je me dépêche. Du coup, ce que je vais faire... Ça. Me voilà. Ça. Faites gaffe. Ils sont sournois. Faites gaffe, ils sont sournois, les salauds. Toi, tu es décédé, mon ami. Ça va l'envoyer sur une ménestrelle. Oh la vache! Ok. Hazardo Kitina! Hazardo, mes couilles engelées. On va la laisser là, elle. Raté. Toi, t'es décédé. Triste fils d'un bouc incestueux. Voilà, toi l'archer. Hop. Esquive. Tu la vois, ma capuche? Oh. Oh, c'est tellement sale. Mais je vais le faire quand même. Oh, elle est tellement forte, cette attaque, en vrai.
faut s'en débarrasser. Tiens. Je sais pas pourquoi je fais ça, je vais faire ça simplement. Putain, ça tue pas, dommage. Normalement toi t'as plus de précision donc tu devrais pas trop me faire chier. Ah si quand même. Ouais c'est pas grave ça. Tac. Tranquillement mais sûrement. Salutations, belle personne. Salutations, tiens, bois un coup. Ravito. Cette potion avait un aspect suspect. Ravito. Putain, voilà. La parade téléporte instantanément personnage jouant actuellement son tour. C'est cheaté ça. Bon. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Loupé. Ouais, du coup, il s'enflamme tout seul comme un grand. Mais du coup, pour aller là, il va falloir que je me crame le cul. C'est un peu con. Ils ont trop de résistance physique, ça sert à rien. Je vais parer. Oui, mais... Non, je vais parer comme ça. Putain. Loupé. Putain, heureusement que c'est une savonnette, hein, le voleur. Je peux aller vous mettre une paire de gifles. Ah, merde, je suis en... Ah vas-y, on va le finir, t'as raison. Oh la parade. C'est moi où il a fait une... C'est une parade parfaite qu'il a fait ou... Non. Il fait quand même pas mal de dégâts de base. Hein. Putain. Bon, je vais la faire monter un peu, elle. Mais on est plutôt bien, là. Putain, 30% de chance d'y en coller une, donc je vais éviter. Spooch. Putain, à chaque fois, elle me les laisse à moitié mort. Pourrait faire un effort, quand même. Parade. Ah ouais, putain. Tiens, dans le dos. Là, ça fait tout de suite plus mal. Hein. Ta-da-la. Non. Prends ça, mauviette.
Prends ça, mauviette. Oh, le coup critique. Je vais avancer, me mettre là. Parade partielle, ok. Putain, la parade. Non, oh là, jamais mal. C'est une double parade que je viens de faire ou j'ai pas vu? Tourbilol, ouais, je peux pas. Putain, lui, je peux le repousser. Pourquoi faire, je ne sais pas. Non, mais on va taper. Hein. Lui, je vais l'achever, du coup. Tiens. Ah, oh, bien joué. L'intelligence artificielle qui sait jouer finalement. Ah, sa parade. Tant pis. Ça aurait été fort, putain. Si j'avais réussi mon coup, ça aurait été fort. Attendez, c'est contrôle, non? Non. Attendez. Hop. Putain! Voilà. Ok, parfait. Toi, j'aimerais que tu meurs. Voilà. Voilà, nickel. Non. Moins de force, moins d'adresse ou étourdissement. Tiens, sa poutre. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Putain, 30 seulement. C'est pas incroyable, hein. Parade. D'accord. Dans le genou. Il vient me chercher mon barbare de dos. Aïe! Ouais, ça va. Dommage pour le rater. Pas mal.
faut que j'aille déclencher le levier. Que je les tue tous et que je déclenche le levier. Ouais. T'approches pas trop près. Tiens. Je sais, hein. Je le prends quand même. Et ça touche. Ah la vache, ils arrivent. Le nain qui commence à se sentir un peu mal, hein, quand même. Oh, l'échec. Les musiciens à la manque. Putain, boulet. Tiens. Oh, boulet, non, là, faut que je... Voilà. La déconfiture de nos ennemis par l'union de nos forces, mes amis. Fallait que je libère lui. Ok, ça, ça va. Aïe ! Ok, je passe en berserk, c'est bon. Oui, c'est ça, reste là, t'as raison. Merci. Viens pas me casser les pieds. Triste fils d'un bouc incestueux. Parfait. Résistance physique, c'est le principal. Oh l'enfoiré. Tiens, attends un peu toi. Ouais. Pas dans l'ogre, parfait. Crevure. Ah, il va se retourner, comme ça je l'aurai de dos. Pas mal. Ouais, j'avoue, c'est un beaucoup ça, putain. Je peux peut-être même me téléporter comme un gros chien de ses morts. Hop là. Ça, je me désengage du combat. Nickel. J'aurais presque envie de donner... Non, trop loin. Ta-da-da-da. Salut, je suis le ranger de Loubet. Mmh. Dommage. Ça va tellement loin, c'est tellement cheaté. Oh là là. Ça c'est cheaté comme compétence, je trouve. Un peu trop cheaté quand même.
Oui, vas-y, viens, t'as raison. Camarade. Oh, parfait, stackez-vous autour de moi. Oh, ils m'ont retourné. Oui, avec le nain, je vais pouvoir lui botter le cul. Oui, mais je crois que ça va me causer des dégâts, je crois. Est-ce qu'on peut voir, du coup? Bon, je vais regarder. Hein. On fait un essai? Hello, feignasse. Tête debout, feignasse. Putain, ça fonctionne. Vite. Tiens. Oh mais merci putain. Touche à ça toi. Je vais peut-être pas m'exposer tout de suite par contre. Du coup... Tranquillement mais sûrement je vais venir soigner le barbare. Ac. Le 1 PV, là, j'ai quand même eu sacrément de la chance. Je peux même faire... c'est peut-être un peu osé, quand même, par contre. Ouais, c'est peut-être un peu osé. Je vais peut-être pas... Je vais faire ça, déjà, c'est pas mal. C'est oh, l'échec critique. Ah, punaise! C'est mon épée qui a ripé sur ma ceinture. D'accord. Ouais, c'est un peu dommage, ça, par contre. Oh, le combat était long mais super super intéressant. Là ça va faire mal ça putain. Y en a un qui apparaît, dommage. Bon bah j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir tanker. Togas, voilà. Ouh. Ah non, ça résiste. Aïe. Aïe. Allez, faut résister, monsieur. Oh oui, l'échec critique. Putain, la chance. Allez, résiste. Putain, il résiste, hein. Ah, petite parade, dommage. J'adore l'animation, elle est superbe. Et là, ça va être parfait pour ça. Oh, ils sont tellement forts, putain. Lui, hop. Tac. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Tac. Et je vais venir le finir avec lui, j'espère. Merci. Oh putain, c'était vraiment vraiment cool. Super combat. Le barbare gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Oh là là. Putain, un arc légendaire pour l'elfe. Casque barbare. Un arc à voir. Et un pagne de charisme. Ouais, bof, pagne de charisme. Par contre, on n'a pas pris si cher que ça. Ouais, ça a pas bon goût les potions. Ah, j'avais soif. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère.
Enfin, la bière, c'est meilleur. Bon, on va faire ça comme ça. Il me reste plus que 3 potions, lol. Mais c'est bien. Je vais équiper en œuf et dans le prochain épisode, on montrera le niveau de la magicienne et du barbare. On va tout prendre. C'est parfait. Ouf, c'était le dernier. Le dernier, pour l'instant. Les trois Guilorques vont revenir. Ils sont sans doute des milliers dans ces tunnels boueux. Il dit que... Je crois comprendre, mais c'est toujours pas le moment pour la soupe. Il faut qu'on prévienne le roi et qu'il nous envoie des renforts avant que les Trogilorques se pointent. Bien. Eh bien les amis, j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. L'air moi c'était vraiment... Un niveau. Oh putain, encore. Eh ben en début de prochain épisode... Le voleur gagne un niveau. Ça va être rentable. On va attendre que ça se... C'est bon ? Bon. Eh ben cet épisode m'a beaucoup plu, combat super intéressant, un peu long, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like pour le soutien. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à partager la chaîne. Et puis bah en attendant le prochain épisode les amis, je vous dis portez-vous bien. Allez, salut.